Bonjour, Élodie Timmins, je suis la responsable de la maternité. Pendant cette période si particulière, nous avons eu la chance de pouvoir continuer à accueillir un bon nombre de naissances et voir du coup de nombreuses familles s'agrandir. Notre premier défi, ça a été essentiellement de rassurer ces futurs parents qui avaient beaucoup d'inquiétudes quant à la situation, et puis de continuer à leur offrir vraiment un cocon de douceur, de bien-être pour la naissance de leur enfant, et puis d'accueillir ces petits bouts avec le plus de bienveillance possible, malgré les circonstances. Une de nos préoccupations majeures était de pouvoir maintenir le lien parent-enfant pendant toute la durée du séjour à la maternité. Donc, du fait de la situation, on a dû rebondir, être un petit peu plus créatif et d'utiliser des moyens numériques tels que des tablettes, des vidéos, pour pouvoir conserver ce lien entre un papa qui fait du pot à pot pendant qu'une maman est en salle de réveil suite à une césarienne. Et voilà, et voir ces moments d'échange, même si c'est par le biais du numérique, ça a été des moments très forts de pouvoir voir cette famille qui passe un instant de bonheur ensemble, tout simplement. Ce qui nous tient à cœur, c'est effectivement de garder avant tout le lien avec les futurs parents, avec nos patients. Et par exemple, on a mis en place des cours de préparation à la naissance par visioconférence, puisque les regroupements ne sont pas possibles actuellement. Et les mamans apprécient, et les papas aussi, de pouvoir justement avoir ces périodes d'échange avec nous, de pouvoir nous poser toutes les questions auxquelles elles ont besoin d'avoir des réponses pendant cette période de leur grossesse. Donc voilà, c'est un moment qui est plaisant aussi pour les sages-femmes, et je crois qu'elles apprécient beaucoup ça. Je suis très fière de la façon dont mon équipe a réagi face à cette situation si particulière, et je suis persuadée que les valeurs de cohésion d'équipe, de solidarité vont encore perdurer bien au-delà de cette période actuelle. Je tenais à remercier vraiment très très chaleureusement tous les parents, toutes les familles qui nous ont montré de nombreux signes de soutien, des témoignages d'encouragement, vraiment de reconnaissance dans cette période, et c'est vrai que ça fait un énorme bien. Voilà, donc un grand merci pour tous ces témoignages chaleureux.